c'est moi. Bonjour à la petite famille de Joy for the Planet qui s'agrandit de jour en jour et ça me réjouit beaucoup. Vous êtes nombreux à m'écrire pour me demander en fait comment est-ce que je vis à bord de Bigoudi, comment est-ce que je me suis organisée, à quoi est-ce que ce petit bus ressemble. Alors voilà, aujourd'hui j'aimerais vous offrir une petite visite guidée. Alors on commence avec la porte d'entrée. Je me suis bien organisée pour utiliser tous les espaces possibles. Alors à l'entrée par exemple, j'ai trouvé ce petit suspensoir qui me permet de mettre mes fruits, mes légumes, mes petits oignons. Là, il y a le panneau solaire avec une petite baffle. Ça, c'est un collier pour promener Ulysse la nuit. Il brille. Ça, c'est un cadeau d'une amie qui a fait broder ses petits linges Joy spécialement pour l'événement. Ça, c'est ma petite poule dans laquelle je mets des petites pochettes, c'est très pratique pour les petites pochettes pour ramasser les petits popos d'Ulysse ou bien même des sacs en plastique. Voilà, c'est ma poule qui pond des sacs en plastique. Ce qui est très pratique, c'est ces petits crochets là que j'ai trouvé dans un supermarché pour 1 euro pièce. Parce que c'est là que je mets un petit peu mes petites bricoles, mon casque pour les enregistrements, pour mes reportages pour la radio, un vestige de Noël. Et puis ici, bien sûr, c'est un petit présentoir pour les sacs Joy for the Planet que nous vendons pour soutenir le projet, puisque vous savez que je suis bénévole et que l'argent qui rentre sert à financer la cagnotte de la joie qui me permet de donner des petits coups de pouce en chemin. Et puis ça, c'est le petit coin salon avec bien sûr les magnifiques œuvres d'art de mon amie Fabienne Bechler, qui est une artiste très touchante, pleine de sensibilité et qui, à ma demande, a représenté les quatre peuples, le peuple rouge, le peuple noir, le peuple jaune et le peuple blanc. Et ça, c'est l'enfant, la pureté, c'est l'enfant intérieur, puisque être dans sa joie passe aussi par cette reconnexion à l'enfant en nous. Et puis bien sûr, il y a le petit boudeur. Et j'en sais quelque chose, puisque là, je viens de passer une semaine difficile avec mon Ulysse qui a survécu in extremis un gros œdème pulmonaire. Et il se dit, oh là là, encore, elle revient avec son histoire. Mais Dieu soit loué, j'ai rencontré un vétérinaire fabuleux qui l'a sauvé. Et voilà, j'étais aux petits soins pour lui et ça continue. Et ça, c'est le lit d'Ulysse, qui est la mascotte de Joy for the Planet. On continue. Ça, c'est Christophe. Je vous présente Christophe, ma plante verte. J'essaie de trouver un système pour pas qu'elle se balade trop pendant la route. Donc, je vais trouver un petit système pour antidérapant à la base et une petite attache pour bien la stabiliser. Ça, c'est ma table de travail, bien sûr, avec une vue, en l'occurrence aujourd'hui, imprenable sur une baie dans le petit village de Logirec. C'est un lieu d'une très belle énergie et d'une belle harmonie, je trouve. Cette Bretagne, d'ailleurs, est juste exceptionnelle, autant dans sa beauté, dans sa sérénité, que dans la gentillesse de ses habitants. Ici aussi, un cadeau d'une autre amie qui vient d'ouvrir le Bistronomia Sage Sarajevo, une amie, une ancienne collègue du CICR, ma petite cuisinière. Et puis ça, c'est mon porte-salade. Alors, je vais pas te donner de don parce que comme elle va pas vivre très longtemps, c'est pas la peine de m'attacher à elle. Ici, j'ai mon petit porte-cure-dent. Pour moi, c'est indispensable de me curer les dents. Je ne peux pas me passer de mon petit cure-dent. Et en vieillissant, ça ne s'arrange pas. Ça, c'est mon porte-torchon, très pratique, un pour la vaisselle, un pour les mains. Là, en haut, mes petites bibliothèques de bord avec un panier BD et lecture en cours. Ça, c'est mon panier électricité. D'autre côté, j'ai mon petit panier avec mon matériel de projection pour les conférences. Là, un petit message que j'écris, j'écris régulièrement sur la porte ici, des petites pensées. Et là, en l'occurrence, ça date du 12 avril. Ulysse a gagné, merci, puisque nous revenons de loin tous les deux. Ici, c'est mon armoire à dessin. À dessin, illustration, c'est mon armoire artistique. Et à fondu, caclon, s'il vous plaît, et raclonette. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, j'espère que ça vous a fait plaisir et puis
Merci pour m'accompagner dans cette aventure de la joie et suite au prochain rendez-vous, à bientôt.